Je suis un peu plus de temps. Le bébé qui est venu à 5 jours ici. Oui, il a 30 jours. Donc sa main est morte après l'accouchement. Je pense qu'au nom de la La Fondation Delta, nous allons parler de cet enfant. Il n'y a pas de souci. Bravo. Viens, Esprit de Dieu. Toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables, viens nous envahir. Amen. Beauté, Bané Baladi, dernier virage de votre émission que vous suivez partout à travers le monde. Effectivement, nous sommes à Bruxelles, des retours à Kinshasa, Boulanaï Bissouna à Kinshasa. Tu as déjà Katia à Bruxelles, Nazongi, Benazongi, Pesnaï Batou au pluriel. Je veux parler en tout cas de moi-même, donc Nazongi déjà à Bruxelles. Eh bien, plaisir à vous retrouver encore une fois dans le plateau, dans le studio de la Bissou. Habituel après quelques semaines d'absence. Alors, n'arrête pas ton abuso. Je crois que tout normalement la série avait émission et belé. Au tout qu'on proposait bino ben émission tout tournage sur place. Ma Kinshasa crapon pour Nabino. Alors, émission abuso les autres qu'on parlait sur une fondation Delta Security Service fondation donc Zali fondation il y a compatriote Nabiso Patrick Otinga, il est en États-Unis, il est installé aux États-Unis depuis des années, il est dans la société donc il y a sécurité. Et bien comme toujours compatriote, comme des Tolobara, habituellement le langage d'Abisso, Ndego Nabisso a joué en tout cas cette décision il y a qu'on en bouca que ça la fondation est sur place na Congo RDC pour la aider qu'on en tout cas Ndego Nabisso. Au Bazali, dans la situation où il y a détresse, la situation est vraiment très difficile. Et bien, la fondation a été créée, et ça, il y a des documents en règle, et bien, en marge en tout cas, il y a des activités, bien entendu, la fondation. Tout le monde qui est compatriote d'Abisso, Patrick Otinga, l'équipe de Mobimba, qui est dans l'hôpital général de Kinshasa, kuna pona ko bimisa bande mususu o ba kangame na hôpital boyebi na Congo soko zo foot hôpital te ba okanga na hôpital donc vous a prisonné na kati hôpital ce qui s'est passé
Oui, d'abord, je suis allé à l'hôpital général de Kinshasa, avec ma maman et moi, je suis allé à l'hôpital parce que je suis allé à l'hôpital pour foutre ma facture dans le bango, donc il y a une hospitalisation. Alors, parti coaching, il y a une équipe de Mbimba pour la Mbimba, ça m'a demandé comme Soussou. On va aller en tout cas la difficulté parce que ça arrive à un mois et demi. Par exemple, en tout cas, est belé, mais l'autre, on va extrait. Donc, il y a cette journée où il y a les gars qui sont dans l'hôpital général de Kinshasa, Bandeko et Belé, Babima qui dans l'hôpital grâce effectivement à la fondation d'État Security Service. Bon, on a un extrait, donc il y a autre tout qui sur place parce qu'ils allaient qui ébélé, c'est vraiment un peu dans, très difficile. Il y a que l'examen, mais vraiment, ils allaient beaucoup plus important. Beaucoup là, quand même quelques extraits, on a tout ça qu'on proposait, Bino, en direct de l'hôpital général de Kinshasa. Et puis après, donc, l'hôpital général de Kinshasa, tout le monde qui n'a orphelina, c'est ma part. Ils ont donc dans on a également beaucoup de monde. Oyo et Salemaki sur place, Delta Security Service Foundation, Pesaki Badon, Plan Sugabana, Oyo, Bazali Kuna Nakati Orfelina, c'est vrai que nous sommes pas si comme la bande dans la condition. Je crois que bon, la image, Kaka Binomoko et Patrick Otinga, Yemoko Komazali, de Gomoko, ça a vraiment très sensible. Arrêtez-la, en tout cas, l'arme a été, même ce Koulaki, bon, là, donc, Kati, vraiment, il y a émission d'Abisso, il y a le Oyo spécial. Fondation d'État Security Service à Kinshasa. Mbote mingi na Picho Pacho na Norvège, la bonne santé Ngambe, Sayo, à Soba, na Londres, la Tigibino Bolanda. On se retrouve très bientôt dans le prochain numéro. Bolanda, tout au tout au Salaki, dans le cadre effectivement, il y a Fondation d'État Security Service. Je suis de l'hôpital général de référence de Kinshasa, S. Mama Emo, du département de la médecine interne. Je vous remercie pour les gestes que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là. 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 Je Na geste ya obosali ezala ya sukate na mbalasi na pe boya pona ko aider ba malade ba na difficulté. Ben, merci d'abord monsieur Aligna pour la parole. Moi c'est Patrick Otinga, comme vous le savez bien. Je suis basé aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai une société qu'on appelle Delta Security Services. Et à Kinshasa, je viens en peine de créer Fondation Delta Security Services. Je suis né à Mamayemu. Je suis congolais aussi. J'ai pensé au mien. C'est pour cette raison que je suis venu aujourd'hui contribuer, aider les gens qui sont dans l'impossibilité, dans l'incapacité de payer les frais d'hospitalisation. C'est pour cela que je suis là et je le fais avec mon cœur. Merci pour votre soutien, merci pour les amis qui sont présents. Je suis là, tant que DECT existera, nous serons là pour aider. Voilà. Merci encore une fois. Merci. Je suis là. Comment va les sous? C'est bien de prendre le temps. Monsieur Patrick Otinga, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là.
Fondation Delta Security Service, présidée par M. Patrick Koutinga, bien aimé dans les chefs de la fondation. Il y a des factures à l'hôpital pour vivre. Fondation à M. Patrick, au moment où on a dans le chapeau, comment va-t-il, papa? Comment va-t-il, Mandika? Mandika, présent dans le monde, Mandika Mboui. Outil Belgique, au côté de la maman, impressionnant. Bon, en tout cas, outil Belgique, vraiment, maman, vraiment, en tout cas, et c'est la passe. Donc, passe ma caste, c'est moule. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Christian Vangola. Oui, nous sommes venus de la part de Delta Security Service Foundation depuis Washington. Mais la fondation est créée ici à Kinshasa parce que M. Patrick Koutinga est né à l'hôpital général de Mamayemo. Après plusieurs années né à l'extérieur du pays, il s'est décidé de venir là où il est né pour aider le malade. Voilà, on a assisté quelques malades. C'est juste un début, un premier pas. Dans les jours à venir, même avant la fin de l'année, nous aurons à faire encore beaucoup plus d'activités pour présenter aux Congolais, aux Kinois en particulier, Delta Security Service Foundation ici à Kinshasa. Quels sont vos projets d'avenir? Évidemment, d'ici quelques mois, nous allons créer une société de sécurité appelée Zebra Cross Security à Kinshasa. On va essayer de donner à nos compatriotes de l'emploi qui soient dans la capacité de leur soutenir eux-mêmes. Voilà un peu. Nous avons tant de projets. Avec Dieu aidant, on va le réaliser d'ici là. Ok, merci. Et vos sources de financement, est-ce que vous travaillez seul ou alors vous avez une équipe qui vous aide par rapport au financement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une société aux États-Unis, donc modestement, je suis capable de me financer moi-même. Donc, je suis le source de financement moi-même. D'accord, merci beaucoup. Bien, je vois que vous êtes des chrétiens. Moi, c'est l'apôtre José Koma, prophète de docteur chrétien. Mama Tessinibéa, l'évangéliste Kalé de Yana, le pasteur Jean-Paul Grandou. Mais, ayons la libéralité, ayons un cœur de compassion, d'amour, pensez aux orphelins, aux vulnérables, n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas parce que Delta a beaucoup d'argent, non. C'est moi qu'il y a quelqu'un qui a eu cette initiative et il a poussé les autres. Et de telles actions, il parle en Zambie. Et tu as inaperçu, jamais je suis témoin de ces choses.
J'ai vu Dieu m'a fait de grâce. Il m'a sauvé dans beaucoup d'accidents mortels où Bisika Batobakoufa et Natikala vivant. Je peux citer entre autres, j'ai fait naufrage en 2005, quand on a parlé de Moussa Osika, à l'Équateur, notre bazina, 108 personnes. Et le seul rescapé, c'est l'homme qui vous parle aujourd'hui. Tout le monde noyé sous la pluie, c'était au mois de. Au mois d'octobre, le 12 octobre 2005. T'attends la messe, t'as la photo. T'as le téléphone, tu m'as quoi? Ça, nous avons choisi cet orphelinat pour venir en aide et soutenir les enfants, ne serait-ce pour leur contrôler à manger. Merci. Je suis là.